Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. Aujourd'hui nous sommes mercredi 18 septembre 2024, il est déjà 19h02. On va tester ce qu'il nous reste de la dernière snack pilote, donc un truc à manger salé et une boisson. On va commencer par ce qui est salé, donc c'est les Pringles parfum enchilada adobada. Ah ouais, adobada. Naturally artificial flavoré con sabor natural et artificial, avec des potato crisps. Et du coup, normalement, ça nous vient des États-Unis, manufacturé, fabriqué pour Pringles à Jackson. C'est une ville des États-Unis, Jackson. Oui, donc voilà, ça ressemble à ceci. Allez, Pringles, adobada. 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 Ah, ça fait mon mot de la soirée, ça, adobada. Alors, du coup, on ouvre. Ah ouais, c'est mieux. Je sais pas. Je sais pas si c'est trop épicé ou pas. J'en prends une petite poignée. Je passe à Zou. J'en prends une. Ouais, ça hache. Tiens, adobada cacahuète. Adobada cacahuète. C'est un côté salé de, avec un petit côté style tomate ou je sais pas quoi. Ça pique pas énormément quand on mange qu'un petit peu. Moi j'en ai mangé qu'une. Mais c'est pas ma tasse de thé. Le goût est bon. Mais moi l'épicé, ça passe rarement. Moi c'est genre de truc que je peux me manger en regardant un épisode de South Park. Mais ils sont par contre, voilà, au bout d'un moment ça fait fort. Là je sens, ça remonte là. Pourquoi il y a encore le son de la télé? Ah, c'est une bière. Surtout que c'est les pubs, voilà. Quoi. On vient d'avoir une pub pour McDo. Bon, c'est pas mauvais, mais je préfère les Pringles nature. Quand même. Maintenant, on va tester, du coup, on va se rafraîchir un peu, la canette de 7-Up goût tropical. Du coup, ça, on trouve pas en France. Alors, Zou, elle va servir dans deux verres. Oui, parce que j'ai pas confiance en mon mari. De mémoire, dans les 7-Up en France, on trouve parfum classique, donc citron. Morito. Et cerise, je suis sûr. 7-Up cerise aussi, ça existe en France. C'est une couleur de 7-Up. Ouais, c'est gazeux, puis ça a l'air d'être orange clair, au niveau de la couleur dans le verre. Tu prends pas le transport, il n'y a pas de verre transparent. Voilà, donc, et puis il y a écrit Bernard sur la boisson, je sais pas pourquoi sur le verre. Donc non, vous voyez cette couleur orange. C'est boisson Bernard. Pub, ça n'existe plus, c'était un. Pas mauvais. C'était comment on appelle ça les vendeurs de boissons? Un grossiste en boisson, comment ça s'appelle? Je sais pas. Aucune idée. Un boissonologue. Je sais plus. C'est pas très sucré, je trouve pas. Ouais, il est pas très sucré, il est assez doux, le 7-Up tropical. Moi j'aime bien. Ça, c'est un j'approuve. Ouais, il est. Donc je me garde ça, puisque Zou va pas le manger, ça va me faire un petit apéro ce soir. Mais je sens que si je me les enchaîne comme ça, je vais m'arracher la gueule. Mais, on dit pas ça. Voilà, mais bon, ça reste des Pringles, j'aime bien, donc c'est plutôt cool. Voilà ce qui conclut pour cette snack pilote. On avait pris un abonnement d'un an snack pilote, je sais pas, on est à la combien, 5e, 6e, ça va vite. Hein. Je sais pas, il nous reste pour combien de temps des snack pilotes, et j'en ai aucune idée, donc il faudrait peut-être que je leur écrive pour leur demander. L'année prochaine, on va dans encore quelques mois, puisqu'on l'a. Ouais, il doit nous rester quelques mois, parce que ce que j'aimerais faire, c'est que l'abonnement ne se renouvelle pas, normalement non. Et du coup reprendre un abonnement derrière, mais pour la version japonaise, je pour tester avril, les snacks pilotes japonais, j'aimerais bien faire. Je crois que c'est avril. Donc voilà, c'est tout pour ces petites grignotages. Ouais, il faudra que je vérifie. Allez, à très bientôt tout le monde, bonne soirée. Salut, salut, au revoir.